Allez, c'est parti pour une nouvelle journée à Fantasyland. On jetterait bien un petit coup d'œil derrière ce truc-là, mais ça va être compliqué. Hein. Bon, nous voilà à Klugheim, avec les trains qui font leur test. Par contre, quand je vois la file d'attente là, comme ça, ça veut dire qu'il y a au moins une heure d'attente pour l'ouverture. Donc, on va attendre tout à l'heure l'ERT pour le faire, je pense. Allez, enfin un petit B&M pour cette saison, le premier de la saison d'ailleurs. Black Mamba, avec son nouveau décor qui a été refait là, qui est vraiment joli. Par contre, qu'on n'a absolument pas le temps de voir pendant le ride, hein, parce que franchement, ça va beaucoup trop vite. En plus, moi, j'étais au milieu, mais c'est vrai qu'on voit pas... Un petit tour de Colorado Aventure, avec ici, là, regardez, le Ride Fly. Il a un peu plu aujourd'hui, donc du coup, on s'est dit que mouillé pour mouiller, on allait faire Chiapas. C'était pas mal du tout, quand même. Ça fait du bien. Quand il y a un peu de monde, on se rend compte qu'il y a des détails dans la file d'attente d'Hollywood Tour. Allez, c'est parti pour faire un coaster qui a 30 ans depuis deux jours. Je pensais pas, franchement. Allez, après toutes ces bonnes attractions, le repos du guerrier, voire même le repas du guerrier. Bon, elle était censée rester fermée toute la journée, mais au final, River Quest a l'air de partir maintenant, donc on va aller se tremper un peu. Allez, c'est parti pour une petite promenade digestive au-dessus du lac. Enfin, en partie au-dessus du lac. Et sinon, les cascades, vous préférez les descendre ou les remonter? Allez, ça suffit la frustration. On y va. C'est parti pour Taron maintenant.